Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Hiro et Anagunda. Salut! Nous voilà présents pour un JL un petit peu spécial puisque c'est un JL preview. Pas du tout. pas du tout, c'est un jeu. Le gros chier. Un jeu déjà sorti donc. Un jeu preview, un JL preview de Company of Heroes 2. C'est ça. La suite d'un jeu de stratégie online que tu vas nous montrer puisque tu as eu l'occasion d'y jouer un petit peu. Hein, ouais, là, c'est... Alors hélas, effectivement, j'aurais aimé pouvoir y jouer plus que ce que j'ai fait, mais ça n'a point été possible. Donc du coup, ça ne sera qu'un aperçu. D'autant qu'en fait, il est question d'un stress test, plus précisément. En plus. Ouais, donc c'est pas vraiment... Voilà. C'est juste pour vous donner une idée du bidule si vous n'avez pas pu vous-même... participer. Tout à fait. Si vous n'avez pas fait partie des élus, ouais, exactement. Et Dieu sait que y en a qui auraient tué père et mère pour faire partie des. C'est ce que tu as fait d'ailleurs. Ah bah, bien sûr, mais moi voilà. Aussi systématiquement. Donc compagnon. Systématiquement, c'est beaucoup de père et mère. Exactement. À chaque fois, c'est pas super cohérent ce que j'ai dit, je crois. Bon bref, alors Company of Heroes, évidemment, fonctionne sur à peu près le même concept que son prédécesseur. À savoir, c'est de la gestion plus tactique que de la stratégie, au sens où la gestion des ressources est réduite à sa plus simple expression. Là, dans ce stress test, on est en train de se faire exploser parce que moi je suis niveau 5, en gros les deux mecs en face sont niveau 20, donc je vais me faire exploser. Oui, effectivement. Mais donc, bref, le principe c'est que là, il y a un seul mode disponible, c'est que des parties en multijoueur, et le mode, en gros, c'est de la domination, au sens où tu as des points de contrôle à capturer, on les voit, ces fameux drapeaux là. Mmh. Qui, là, sont désignés par des cercles sur la carte générale. Ouais. Et en fait, c'est des points qui vont te filer des ressources uniquement pour que tu puisses constituer des troupes. Mais, si tu veux gagner, en fait, c'est comme un mode domination. Il faut contrôler les drapeaux précis qui sont désignés par des étoiles, qui, là, vont faire baisser le nombre de tickets, si tu veux, de l'équipe adverse, comme dans un Battlefield, jusqu'à ce que ça atteigne zéro et jusqu'à ce qu'il soit défait, honteusement. Alors là, je ne bouge pas. Pour la simple et bonne raison que ce qui est super sympa dans Company of Heroes, et notamment sur ces maps, c'est que, vous savez, hein, Company of Heroes, 1941, opération Barbarossa, les Allemands qui attaquent les Russes, en gros, donc ça se passe front de l'Est, machin. Donc on se retrouve avec un contexte très particulier et des conditions climatiques immondes qui sont représentées en termes de gameplay par la présence d'un blizzard. Là, on l'avait vu, c'est pour ça que l'image était toute blanche. Là, c'est en train de disparaître de se dissiper un petit peu. Mais en fait, il faut jouer avec le froid. C'est-à-dire que mes troupes, si je les laisse se balader dans la neige en plein blizzard, elles vont crever de froid. Oui, ça c'est quand même génial de donc il faut, ça, faut absolument construire des feux si on n'a pas, et faire en sorte que tes troupes soient dans des véhicules ou ce genre de trucs pour minimum qu'elles soient pas, elles se fassent pas. Donc du coup tu peux aller au combat, mais au bout d'un moment ils vont vraiment commencer à geler. Il va exactement. Falloir que tu reviennes. Donc il y a vraiment ça, se planquer dans des bâtiments, parce que t'as des bâtiments qui sont autres que les structures que tu construis au départ, très 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 basiques hein, les structures. Enfin bon, ça j'y reviendrai après peut-être. Une cabane en bois. C'est un peu ça, mais enfin en gros ça conditionne quand même les troupes auxquelles tu as accès néanmoins. Et donc c'est extrêmement bien foutu de ce côté-là. Et il y a d'autres éléments. Bon, je vais progresser parce que bon, tant pis. Hein. Je pars dans la neige. J'ai peur de rien. Je suis un malade mental. Mais vas-y. Je vais me faire exploser d'autant que les mecs ils ont des tanks en face. Oui, ils sont super préparés. Moi je vais avec de l'infanterie. Et, donc bon, évidemment, qui dit jeu de stratégie, jeu de tactique, dit positionnement des troupes intelligentes avec un système de couvert. Là, tu vois, regarde cette petite ma petite icône là indique que si j'envoie mes troupes là dans la neige, déjà elles vont avoir du mal à se déplacer par-dessus le marché et en plus elles vont geler. Donc c'est vraiment super bien ce qu'il faut calculer, t'as de la neige épaisse qui rend les déplacements plus délicats. Il faut gérer chacun de tes déplacements. Chacun de ces déplacements, et comme je le disais, tu vois là par exemple, les points verts, ça veut dire que mes troupes sont relativement bien protégées derrière le mur. Okay. En revanche, d'ailleurs c'est quoi? C'est une team mortier, je vais les mettre là d'ailleurs. Ouais. Ils sont en train de geler hein, tous mes mecs, mais c'est pas grave. Hein, ils vont tous mourir. Mais... C'est pas grave. Non mais ça y est, tu vois le bizarre est en train de se barrer là, tu vois, l'image est moins blanche. Et il y a d'autres éléments à prendre en considération, il y a par exemple cette rivière. Je l'ai. C'est très très marrant à jouer, en un sens, parce que certes c'est classique, la glace peut céder sous le poids des chars et compagnie, mais ça ne se voit pas, disons que c'est pas systématique, la glace va péter dans tous les cas, machin. C'est vraiment en fonction de s'il y a plein de chars qui sont passés, s'il y a eu des explosions dessus, elle va céder, et tu le vois visuellement. Ça garde ce qui s'est passé avant, s'il y a eu des chars avant, ça a fragilisé le coin. Et... Exactement, et, ça se visualise. Merde. Pourquoi je les ai bougés? Hop. Ça se visualise. Mes mortiers, ils vont peut-être lui faire mal. Enfin, j'ose espérer. Peut-être. Parce que... Ouais, tu vois, bon bref, moi, c'est fait détruire mon truc parce qu'ils ont de l'anti-char. Ah oui. Là, je vais me faire exploser. Enfin, c'est pénible parce que je peux rien vous montrer, là, du coup. Donc, je vais envoyer un anti...
je me suis planté, je crois que j'ai pris toutes mes troupes là. Ah ouais, c'est, non, c'est pas grave, c'était juste les mortiers. Donc, il faut vraiment gérer le climat, et ça, c'est pour moi un truc qui est franchement. Ça rajoute vraiment du piment. Et il y a un autre élément qu'ils ont rajouté dans ce Company of Heroes, et je suis vraiment désolé parce qu'on voit vraiment pas de combat, et je suis super déçu à la limite. Bon, j'avais essayé d'en faire plusieurs, hein, ouais. J'avais essayé d'en faire plusieurs des GL, mais hélas, ça s'est mal goupillé. Bref. Est-ce qu'il va peut-être avoir un coup là ? Je sais pas. Il y a d'autres éléments à gérer et des nouveaux trucs, genre le fait qu'ils appellent le système de combat est basé sur le true range. C'est-à-dire qu'en fait, et la true. Oui, moi, je sais. vision, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux voir sur le terrain que ce que tes troupes voient. C'est-à-dire que du coup, est vachement importante la nécessité de placer ses troupes intelligemment pour préparer des embuscades, parce que par exemple, tu vois, mes troupes, ils les voient pas forcément, parce qu'elles sont planquées derrière le truc. Donc tu vois comment c'est, faut arriver à gérer ça de manière relativement intelligente. Et du coup, la fumée, les conditions climatiques jouent énormément. Il faut par exemple, t'as un char, tu peux le rendre moins performant, mais faire en sorte que le pilote, comme dans la vraie guerre, entre guillemets, monte, regarde avec des jumelles, donc il va étendre son champ de vision, mais sera plus vulnérable. Et enfin, tu vois, ça. C'est de la vraie tactique, comme tu disais. Ajouter avec des décors destructibles, regarde ça, en plus les animations, il y a un soin qui est apporté aux uniformes et compagnie, qui est absolument génial. Et donc, c'est impressionnant. Il y a un autre élément qui est super plaisant dans ce. Dans ce truc-là, je l'ai oublié. Mais il y en a un autre, et c'est important que vous sachiez. Ce qui est sympa, c'est que vraiment, les Allemands et les Soviétiques ne se jouent absolument pas de la même manière. Au sens où les Allemands vont avoir des troupes qui sont globalement mieux équipées. Ouais. On va avoir des snipers, des mortiers, dès le départ, alors que les Russes ne les ont pas. En revanche, les Russes, on l'imagine, c'est beaucoup de troupes, beaucoup de conscrits, notamment des fantassins qui sont assez fragiles, mais extrêmement nombreux, peu équipés, mais que tu peux augmenter en leur mettant des cocktails Molotov, ce genre de trucs. Et donc il y a... Je me suis fait pulvériser, hein. Ouais, je me suis fait pulvériser. Ouais, c'est ce que je pensais. On avait brièvement que je m'étais fait mais balayer parce que les mecs ils sont pas mauvais en face. Tu parles en même temps, on sait très bien que les jeux de ce genre, tes stratégies tactiques. Donc c'est pas la peine. D'autant qu'en plus, sincèrement, je dis pas assez joué pour vous donner mais en tout cas, pour vous donner un vrai avis. Mais au final, l'aperçu est quand même super positif. Je pense qu'il y a moyen de s'éclater. Moi, c'est un jeu auquel j'ai vraiment envie de jouer alors que c'est qu'un stress test et qu'il y a des problèmes de lag, quoi. Donc, oui, en plus, tu vois le truc. C'est vraiment, tu vois, regarde les blindés. Alors les Russes, hein, c'est vraiment génial, parce qu'ils ont de l'infanterie en grand nombre, mais qui est de mauvaise qualité, en somme, et des blindés qui sont très rudimentaires, mais surpuissants. C'est vraiment très fidèle à ce qui s'était passé sur le front de l'Est à l'époque. Ah oui, non, on se doute qu'il y a un gros travail à ce côté-là. Il y a un travail, et puis, le système de progression, là, tu vois, en fait, c'est les ingénieurs là, qui sont là, qui construisent des bâtiments, ou qui peuvent, selon le cas, créer des mines, des champs de mines, des blocos, ce genre de trucs. Il y a la création de blocos aussi rapide, et bon, c'est assez rigolo, entre guillemets. Néanmoins... ils sont doués, c'est tout. Bon, de toute façon, ils vont crever avant. Ouais. Mais bon, vous voyez l'idée de comment ça fonctionne. Quel bon... Il y a aussi un système, on verra plus tard, avec des généraux qui ont des compétences spécifiques que tu peux utiliser au fur et à mesure de la partie, des coups de mortier, du soutien d'artillerie. Mais en tout cas, c'est pour moi ultra plaisant. Il y a un côté Man of War, tu sais, j'avais vachement aimé Man of War, c'est un peu le même principe, mais il y a une gestion plus fine à la limite de l'inventaire. Sans doute un gros jeu, le premier avait un très gros succès, hein, de toute façon, il y a des chances qu'il soit parti. Mais ça c'est presque plus arcade, mais plus sympa, plus dynamique, on a presque l'impression de jouer un Call of Duty, dans les bastons ça pète de partout. Donc Call of Duty pas forcément une bonne référence, mais pour le dynamisme en tout cas, la mise en scène. Dynamisme, c'est une référence, voilà. Donc bon, désolé, c'est un petit aperçu. On fera mieux quand le jeu sortira lui-même. En tout cas, surveillez-le avec beaucoup d'attention. Bravo et merci Hiro d'être rentré dans cette partie. Si, il est rentré dans cette partie en sachant qu'il allait prendre une branlée, mais il a dit non, rien n'affiche, moi je veux montrer le jeu à des gens, c'est pas grave si je me fais défoncer en direct. Et bah j'ai bien réussi mon coup. À des mecs qui étaient niveau 20. Niveau 20, ouais. Et avec un coéquipier qui était à un niveau encore plus faible que le tien. Oui, il était théoriquement. Mais n'empêche que vu qu'il parlait pas, il se débrouille beaucoup mieux. Il y a déjà des temps qui étaient. Bref. Donc voilà, mais merci, moi je te remercie. Et vous pouvez le remercier aussi dans les commentaires. Ouais, m'insultez pas trop, je suis au mieux. Allez, salut, ciao. À bientôt, merci encore.